Ok, 5 5 unités en fait, ça veut rien. Enfin, quand vous êtes en single, ça veut dire SSR garanti. Mais une multi a forcément SSR garanti dedans, donc ça ne veut pas dire grand chose. SSJ3. Toujours pas de SSJ God. Oh. Switch! Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. On est encore sur mon Kunjap une nouvelle fois. Si t'as pas vu les invocations de la dernière fois, frérot, c'est l'occasion, ton bouton I juste ici. Sinon. On va encore lâcher des DS, la dernière fois on a invoqué sur Vegeta SSJ4, on a dû lâcher 150 DS si je me souviens bien, donc les 3 multi plus la gratuite. On est allé encore farm 450 DS sur le compte, voilà, parce que c'est vrai que le compte est assez neuf, il y a des trucs de malade dessus, j'ai déjà montré sur les autres vidéos ce qu'il y a dessus. On va pas y passer 36 ans, voilà. Donc maintenant on va s'attaquer au portail de Goku, on espère lâcher 300 DS dessus et puis retourner sur Vegeta après pour avoir les deux. On va voir tout ça, n'hésitez pas à bombarder les likes, ça ferait grave plaisir. Donc, sur les détecteurs, on va dire la vérité, c'est un compte qui est assez nouveau, donc il y a plutôt tout qui nous intéresse, enfin tout, surtout les LR, mais on veut quand même le Goku SSJ4, hein, c'est la principale raison de pourquoi on invoque dessus. Donc, je pense qu'on va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer la première multi. Allez, on va un petit détecteur au début, ça commence bien, ça commence gentiment, ça commence gentiment. Pas de bye bye, je pensais qu'il allait avoir un bye bye. Et c'est J2. Et c'est J3. Pas de SSJ God, pas de SSJ God. Bon, on a une unité de détecteur garantie. On va voir c'est laquelle. Ça serait beau que ça serait. Vegeta. Vegeta, ça serait beau là. Goku Kaioken Agi. Alors lui, ça fait une éternité que je l'ai pas vu. Ok, pourquoi pas. Zangia. Il y a Jirube. Zarbon. Oh ouais, c'est lui l'unité du détecteur. Ah non, c'était la pire. Ah, c'était la pire, 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 pire. Oh le bâtard, j'y ai cru. Oh le chien. Oh le chien. Oh le chien maigre. Oh le la, 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 la. Oh le pire troll de l'histoire. Oh le pire troll de l'histoire, mais quel bâtard! Mais quel bâtard! Oh j'y ai cru, putain! Oh le bâtard! Eh il est pareil, les SSJ4, la chevelure qui tombe jusqu'aux épaules là, il l'a aussi. Bon la pose elle est un peu différente, mais quoique ça peut passer. Oh j'ai la haine! Ah oh, la haine que j'ai. Bon, première multi du coup. Unité du détecteur, mais celle qu'on voulait pas du tout. On lance la seconde. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner les frérots, ça ferait plaisir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos mais qui sont pas encore abonnés. Ah, pas bon, rien de garanti pour le moment. Il y a juste le petit bouton s'abonner en bas. Vous êtes au courant quand les vidéos sortent. Et puis voilà. On a un petit SSJ2 cette fois, rien qui nous dit qu'on va avoir du lourd. Ok, un petit Rikum. Bon, cette musique, je la sens pas trop. Après, vu l'animation qu'on a eue, on va pas se mentir. Ouais. Bon, le sel, il est très bon, mais clairement, c'est pas ce qu'on recherche. C'est pas ce qu'on recherche, voilà. Y'a rien à dire de plus. C'est pas ce qu'on recherche du tout. Et le Piccolo qui va servir à rien. Parce que maintenant son lead, son passif est très bon, mais il est assez dépassé vu qu'il a aucun lien. Et aucun lien, c'est compliqué. Bon, deuxième multi, pas fameuse. On va passer à la troisième. Hop, 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 hip, hop, hip, 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 hop, hop. Allez, allez, tu me lâches un petit truc là. Tu me lâches un petit truc. Vegeta. Vegeta. S'il te plaît. Yes. Bon pas Blue mais il s'est transformé quand même. Il s'est transformé, c'est déjà cool. Dokkan Fest garantie. Dokkan Fest garantie, ça limite déjà les unités qu'on peut avoir. Ok, le Goku SSJ. C'est un SSJ1 ou un SSJ2 d'ailleurs? Je crois que c'est un SSJ2. Non, c'est un SSJ1 qui est Dokkan. Bon, je sais plus. Je sais plus, en tout cas, un peu le Dokkan dans un SSJ3, ça doit être un SSJ2. Tambourine, switch, switch, switch. Jiren, ok, d'accord. Bon, très bon, j'avais pas.
Ok, très bon, très bonne unité, Jiren, ça fait plaisir de l'avoir, clairement. C'est très cool, très cool. Après, bien sûr, on aurait préféré le Goku. Mais, Ah, MDR, Ribrian. Pourquoi pas, elle a pas encore eu son Dokkan. Je pense qu'elle va devenir très très forte avec. Sûrement, elle va aider de la catégorie à 120% des Pitchy Pitchy Girls, là. Ah, c'était pas la dernière unité. D'accord. Et un Gotenks qui dab tranquillement à la fin. Bon, cette multi, on a quand même eu 3 SSR, dont un du détecteur qui est très intéressant. Plutôt très bonne cette unité. Merci au frère qui s'est abonné. Du coup, il y a la petite animation pendant le live. Et on repart sur la gratuite. Ça part assez vite les multi quand même. Hein. Ça part assez vite les multi. Celle-là sent pas très très bon, si vous voulez mon avis. Il se transforme directement. Est-ce qu'il va s'arrêter au SJ2? Ah, quand même au SJ3. Bon, ça veut pas dire grand-chose parce qu'en vrai, le SJ3... Il n'y a pas de 50% du détecteur ou 50% du détecteur, les gars. C'est du fake. Hein. Vous pouvez avoir du SSJ3 et avoir qu'un seul SSR et c'est le SSR garanti à la fin. Donc, donc à ce niveau-là... Ouais, bon, tu peux arrêter de pop toi un jour parce que j'aime bien, mais... Bouge un peu. Le Goku multiforme, nice. Nice, ouh, ça c'est très bon. Ça c'est très bon, le Goku multiforme, donc... Qui va être juste excellent sur ce compte. On a un leader super, très 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 bon. Du coup, ça fait plaisir. On a un leader super. Ah, c'est le feu là pour l'instant. C'est le feu. Bon, c'est vrai que quand tu vises qu'une seule unité, c'est compliqué. Mais pour l'instant, c'est assez le feu. Et on a le petit Gwen SJ de support qui vient terminer ce cycle. Ok, très bonne multi. On a eu quand même Jiren et Goku multiforme qui sont deux excellentes unités. Donc pour l'instant, c'est du très très bon. Est-ce qu'on passe sur Vegeta? On va un peu plus continuer sur Goku. Bon, on va faire... Vas-y, cette multi-là va décider de la suite. Si on a du lourd, je continue dessus. Si on a du caca, on va passer sur... sur Vegeta avant de revenir. Détecteur garanti. Mais ce qui est marrant, c'est que... Alors, Chaozu plus Tenshian, ça garantit le détecteur. Et Chaozu plus Tenshian plus Yamcha, ça garantit aussi le détecteur. Donc, en vrai, Yamcha, il sert à rien du tout. Yamcha, il sert strictement à rien, même dans les animations. Yes, nice. Le petit Vegeto LR qui tombe. Ça fait grave plaisir. Ce compte qui devient juste incroyable. Oh là 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 là. Le petit Vegeto LR qui tombe. Incroyable. Incroyable ce compte. Incroyable. Incroyable. Oh là 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 là. Incroyable. Oh là. Si je pourrais avoir le Goku en plus, ça serait tellement bien. Bordel, ça serait tellement bien. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, n'hésitez pas à bombarder les likes pour ces petites invocations, envoyer de la force, putain. C'est incroyable ce qui se passe là, c'est incroyable, ce compte il est en train de partir dans l'espace. Et on a une petite pan qui est très bien, qui est très très bien, sachant qu'elle rentre dans la catégorie de Goku, donc famille de Sangoku, et c'est un très bon support. Donc elle est très bien cette pan, c'est une unité à avoir dans sa box, même si on l'a maintenant, on l'a souvent, c'est devenu un running gag. Elle est très très bien. Oh là 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 là, ces invocations de malade. Donc Vegeto LR qui tombe. Ça va être lequel le SSR garanti? Kid Boutek. Bon, au niveau des SSR garanti, il y en a beaucoup qui sont intéressants parce qu'on n'a pas très grand chose sur ce compte. Mais clairement. Ah, toi, je vais te verrouiller tout de suite, toi. J'attends pas la fin. Je vais te verrouiller tout de suite. Assez incroyable. Bon, alors on continue. On a dit qu'on avait eu du lourd. On continue si on a du lourd. Du coup, on va faire encore une multi. Allez. Krillin tout seul. Il y en a qui me disent Krillin tout seul, c'est bon signe. Moi, je dis que ça veut rien dire. Pour l'avoir test en single, j'ai déjà eu Krillin tout seul. Et il prédit pas grand chose. Hein, on se voit. SSJ 3. Bon, pas de SSJ God. Pas de SSJ God. On aurait pu en avoir des SSJ God d'ailleurs. Parce que tout à l'heure, je crois, on a eu 3 SSR dans la multi. Le petit Nail. Bulma. Tenshian. Ouais, bon, le Trunks qui sert un peu à rien, même s'il a un très bon boost d'attaque, il est clairement dépassé. Oh, petit Golden Ange, c'est la folie ce compte. Ce compte, il est incroyable. En plus dessus, j'ai Bojack Keller. Et j'ai Bojack Keller avec un doublon. Et Freezer Tech avec un doublon aussi. Très très bonne unité, très contente. Mais c'est incroyable, là. Attendez, on est en train de faire tout le détecteur là. Il manque plus que le Goku. Pas ce Goku là. Je sais que t'es GT, mais c'est pas tant qu'on veut. C'est celui-là avec les cheveux qui montent jusqu'ici. Comme ça. Un peu avec le pelage rouge. Voilà. Mais c'est incroyable. Hein.
Franchement, elles sont incroyables, ces invocations. Elles sont vraiment incroyables, hein. Pour l'instant, on a chopé presque tout le détecteur. Enfin, tout ce qui est intéressant du détecteur. Monk ! Le petit Goku SJ7 que j'appelle à l'accueil. Le Goku SJ Kataji qui passe en LR et demande à l'accueil. Si tu pouvais tomber. Ok, 5 unités, en fait, ça veut rien... Enfin, quand vous êtes en single, ça veut dire SSR garanti. Mais Umuki a forcément SSR garanti dedans, donc ça peut pas dire grand-chose. SSJ3. Toujours pas de SSJ God. Oh. Switch. Oh, petit Mikate qui tombe en plus. Oh là 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 là. Mais c'est n'importe quoi, bordel. On est vraiment en train d'avoir tout le détecteur. Oh là là, mais putain. Oh là là. Ah, ces invocations de Barjo. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, y'a y'a y'a. Oh là 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 là. Oh là là, petit Migaté qui tombe. Mais il manque. Goku, s'il te plaît, tombe. Je suis trop content de ce que j'ai eu. Mais vas-y, Goku, s'il te plaît. Parce qu'en vrai, là maintenant, j'ai tout le détecteur. Donc ça me sert plus à rien d'invoquer sur ce portail en fait. Parce qu'il manque que le Goku et ses JKTLR en fait. Mais oh là là, incroyable. Hein. Incroyable ces invocations. Oh là 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 là. On va faire le Vegeta Blue Zampel Jikinto Un qui ne va jamais avoir de Dokkan Cher. Zampel, si tu regardes cette vidéo, Kinto Un, je te pisse dessus. Bon, on va partir sur une autre multi. Oh là là, la dernière. Après, je pense qu'on va passer sur Vegeta parce qu'on a quand même eu du lourd sur ce portail. On a quand même eu, tout ce qui est intéressant dans le détecteur, je crois. Bon, Yamcha Goten, après ce qu'on a eu, peut pas se plaindre. On peut pas se plaindre. Mais on veut le SSJ4 là. Tombe bordel. Il veut pas tomber l'enfoiré. Il veut pas tomber. On a eu Végéto et l'air. Hein. Mais voilà. Mais on veut quand même le Goku. Gildo. Bon, cette multi. Je pense que c'est la multi carotte. Après on peut pas trop se plaindre. Stylé, une des meilleures unités non Dokkan Fest qu'on peut avoir. Ok, plutôt stylé, non? Plutôt stylé cette multi. On a quand même eu sur le SSR garanti un très bon SSR, donc ça compense plus ou moins. Alors ici en fait on a... C'est compliqué. C'est très compliqué les frères. Le Vegeta on l'a pas, lui on l'a. Lui on l'a en doublon. Lui on l'a aussi, lui on l'a pas. Lui on l'a pas. Lui on l'a pas, mais en vrai sur les deux détecteurs en fait il nous manque que les SSJ4 qu'on veut vraiment en fait. Et là on a, bon lui on l'a, non lui on l'a pas justement, lui on l'a. Lui on l'a, lui on l'a, lui on l'a, lui on l'a, lui on l'a pas. Ah ouais, le dilemme. Sur qui invoquer des deux parce qu'on a chopé presque tout le portail à part les SSJ4 quoi. Merci pour la bombe mon frère, n'hésitez pas à bombarder les likes et à vous abonner, je rappelle que... Cette rediff sera du coup sur YouTube pour ceux qui la regardent sur YouTube. Bon, on a commencé en live, donc n'hésitez pas à activer aussi la petite notif pour être au courant quand je fais des lives. Et voilà, et à vous abonner aussi, ça fait plaisir. Goku, allez, Goku, allez. Allez, c'est parti pour le Goku LR. Oh là 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 là. N'hésitez pas à envoyer de la force. À envoyer de la force pour qu'on ait ce Goku LR. C'est le seul qui nous manque. Hein. C'est le seul qui nous manque. Bon, là, ça sent pas très bon. Clairement ça sent pas très bon. Je pense que ça va être les dernières invocations que je vais faire sur ce portail hein. Parce que j'ai presque tout eu en fait. Enfin j'ai tout eu sauf les lairs principaux du détecteur. C'est chiant hein, mais Ah c'est très chiant ouais. C'est très très chiant. Bien sûr on aurait préféré avoir et une autre unité et dégager une autre unité, mais bon on choisit pas. Est-ce que... Bon là vous avez vu on a eu SSJ3. Vous allez voir que le truc qui dit SSJ3 ça veut dire quelque chose. C'est complètement éclaté. On a eu une waifu. Donc voilà, SSJ3, ça veut dire waifu. Vous avez la preuve en vidéo que SSJ3 ne veut absolument rien dire. Voilà. Il n'y a pas de une chance sur du détecteur. C'est n'importe quoi. Bon, on y retourne. Et le Goku, on le veut. Goku tombe, s'il te plaît. Bon, là, ça commence à faire peur au niveau des animations. Ça commence à faire peur au niveau des animations. SSJ3 et SSJ God. Pince les SSJ God, hein, pince les SSJ God. Bon, on préfère quand même avoir un SSJ3 qu'un SSJ2, voilà, pour le kiff.
Un petit 10. Bon, lui, je l'ai eu 50 000 fois. Allez, là, tombe, Goku. C7. Bon, je vais avoir que le SSR garanti à tous les coups. Mais ce Goku-là, il est... Et en plus, c'est un Goku éclaté. Bon. Oh là 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 là, on a eu les pièces. Je sais pas, on a combien. Non, on a largement. Non, on n'a pas assez de pièces. C'est sûr qu'on n'a pas assez de pièces. J'ai pas mis autant de DS dessus. Bon, je vais vous demander d'envoyer de la force un maximum pour les deux dernières multi. On veut vraiment ce LR. Hein, on veut vraiment ce LR. N'hésitez pas à bombarder les likes encore une fois. À vous abonner, à faire tout ce qu'il faut. À faire des incantations vaudou pour que je drop. Non, faites pas ça, je rigole. Mais voilà, vous m'avez compris. Vegeta. Vegeta. Attendez, on va mettre le son juste pour entendre s'il y a un... Ah, punaise. C'est pas la voix de Vegeto. Yes. Bon, Vegeto. Vegeto, tout est permis. 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 Les potara. La coalescence. Tout est permis. Tout est permis. C16. Non. Ouais, mais non. Mais oui, mais non. Non, mais oui, mais... Mais non, mais non. Ah, putain. Bon, très bon doublon. Excellent doublon. Excellent doublon. C'est pas Goku SSJ4. Fais pas Goku SSJ4. Il nous reste une multi. On a eu Hadouf Pumbekin à la fin. Gros lard. Bon. Dernière multi. Dernière multi. Je compte sur vous pour un maximum de force encore une fois. On va regarder dans le détecteur. On va choisir dans le détecteur. On va cliquer. On veut ce Goku là. On va cliquer dessus. On va cliquer dessus. Hop, c'est toi que je veux. Hop, hop. Mais c'est affreux parce qu'en fait quand vous commencez un compte en fait, vous avez envie d'avoir la dernière unité. Même si le compte il est incroyable, vous avez envie d'avoir la dernière unité qui est sortie. Et là je suis frustré. Je suis frustré de ouf parce que sur les deux détecteurs on a tout eu sauf l'unité qu'il faut. Et ça me plombe genre. Genre ça me plombe parce que c'est ça devient plus rentable d'invoquer dessus en fait. J'ai tellement eu toutes les unités qu'il y a dessus que ça devient plus rentable de cramer mes DS dessus. Même si c'est un compte qui est assez neuf, on a usé quand même 1000 DS farmables là. Plutôt, ouais, 1000 DS farmables, 1100 je sais pas. Mais ça commence à plus être rentable. Donc c'est la dernière multi. Allez, let's go les gars. Toute la force. Genkidama, levez les bras en l'air. Levez les bras au ciel. L'animation pue sa mère. Bon là c'est sûr qu'il n'y aura pas de fusion. Un SSJ2. Vegeta. C19. Vegeta. Ah, je veux le Goku. Goku. 10. Punaise. Putain, j'aurais tout eu, sauf les deux LR. C'est pas possible. Dis-moi pas que c'est la dernière unité. Ah. Non. Ah, il est très bon ce Golden Freezer, mais... Oh, j'ai la haine. Enfin, j'ai la... Non, je suis content, mais j'ai la... c'est un sentiment qui est assez bizarre. C'est un sentiment qui est très bizarre que j'ai. On a eu tout le détecteur, mais vraiment tout le détecteur, sauf les deux LR principaux. Voilà. J'ai même eu des doublons. Genre, on a eu des très bonnes invocations, on a presque tout eu en fait, hein. On a usé 650, 600 DS, et on a presque tout eu. Le compte il pète sa mère, il est trop bien, mais en fait on a tout eu sauf les deux unités principales. C'est super frustrant, putain. C'est giga frustrant, j'en ai marre. C'est tellement frustrant, putain. C'est tellement frustrant. Parce qu'en vrai c'est même plus rentable d'invoquer sur le portail, c'est plus rentable. T'as à manger à boire, c'est le principal. Même si moi j'ai drop Goku deux fois. Voilà, là, 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 bordel. Bon, on va continuer ce live sur la version Glow, sur ma version Glow.
Je vous dis au revoir ici pour ce qui est de la VOD. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas encore une fois vraiment à bombarder les pouces bleus, à vous abonner pour tout simplement être au courant quand je sors des vidéos et pour encourager la chaîne. Voilà, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi regarder les petites pubs sur Tipeee, je sais pas c'est comme sur YouTube, dans la description c'est gratos et ça fait un petit don gratuitement, ça prend 5 minutes donc n'hésitez pas. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous fais plein de luck pour vos invocations, c'était lourd mais pas malheureusement on a eu aucun DLR. Ciao ciao, des bisous, ciao.